Oh merde, j'avais pas pensé à ça. Salut, je m'appelle Hugo Papillon, j'ai 20 ans, j'habite à Joliette. Je travaille pour Patriotes Légion, ça fait déjà 2 ans. Puis je suis magnifique. Voilà, monsieur PO. Moi, j'aide les gars de Patriotes en leur procurant une image graphique, visuelle. Puis je les aime bien. C'est des bons dudes, ils sont bons à skate. Fait que c'est important de continuer à s'impliquer là-dedans. Yann. Puis c'est nous et deux crottés qui avons parti Patriotes Légion. Bon, en même temps, on va remercier sérieusement le père, moi, mon père. C'est lui qui a avancé l'argent, puis qui a toujours cru en nos projets, puis qui nous a tout le temps poussé dans le skate. C'est lui qui a ouvert le skatepark à Joliette Intérieure, qui a mis de nombreuses heures de bénévolat pour toujours soutenir ce sport. Encore là, c'est ça, ils nous aident pour la compagnie. Ouais, toujours. Il n'y a plus nos projets, 100 000 $. On a aménagé, on a commencé à faire une plate en ciment, on a amené combien de poches? 50 poches de ciment, moi, qu'on a fait ça en main, c'était drôle. Si on est allé voler des dalles de marbre aussi, dans notre cégep régional de la Rivière, pour construire des beaux petits bancs en briques. Ouais. Puis l'an prochain, ben, on va aménager notre affaire parce que l'hiver arrive. Fait que ça stoppe les projets. Ouais. On était beaucoup. Ça avait un été. 62 poches de béton. 180 litres d'eau pour une plaie. 350 $, à peu près 100 heures de travail. C'est ça, dans le fond, on est rendu 1, 2, 3, 4. C'est ça, c'est notre cinquième collection qu'on sort. Puis ça, ben, c'est le nouveau. Là, on se déplie. Le stock, c'est le qu'on montre. Les photos du rider, puis en arrière, c'est ma liste des skateurs qu'on commandait. Plus un super move ici, Israël, bien genre. Fait que c'est ça, on a fait des outils promotionnels, comme des autocollants, dans le fond, qu'on donne quand on va faire des démos, des compés, on donne ça aux jeunes. Un magasin. Un magasin. Au début, on s'est concentré pas mal sur ce qui est de la notière. Il fallait l'Universe Repentigny, Atlas, Terrebonne, puis l'Exocet à Joliette. Là, ben, après ça, on est à Montréal, après ça, Québec. Atlas, les boys viennent de la région ici, fait que c'est tout le temps intéressant d'encourager des gens qui viennent de la même région.
Produits quand même intéressants, vêtements ici. Les boys étaient sur notre team de skate, donc c'était évident qu'on essaie de les encourager le plus possible s'ils partent une compagnie de vêtements. La réponse est quand même excellente au niveau vente. Moi, c'est Véro, je suis la gérante du Lexo. Je suis ici pour vous parler de la marque de la région, Patriot. C'est une marque qui marche bien en magasin parce que ça vient du coin, on connaît les dudes qui font la marque. C'est bon petit skate, c'est ça, dans le fond, ça implique beaucoup à Joliette. Vive Patriot! Amener dans les catacombes, les laboratoires clandestins de Patriot Légion. Quand la petite lumière s'allume, c'est que c'est ouvert. Yes. C'est la super machine qu'on a acquérie la semaine passée. Dans le fond, ça c'est pour faire t-shirt, quand vous printez ces casquettes. Ben, tout ce qui est de la série là-dessus. Dépose le t-shirt là-dessus ici. Ça ici, ben, y a les films qui viennent de même, les cartes pour printer. Tu descends, tu fais une plaque, un coup squeegee, ça te donne le t-shirt qui est là. Sur le tapis roulant, quand tu as fini de printer ton chandail, tu laisses passer tout ton linge sur le tapis roulant qui passe dans le four pour faire sécher l'angle. Tout va être installé, puis on va avoir commencé à se pratiquer un peu. Là. Ça va se lancer dans de beaux projets. Ouais.